Je suis née à Paris le 9 janvier 1908. Ma mère, Françoise Brasseur, a 20 ans. Elle vient d'une famille de banquiers. Mon père, Georges Bertrand de Beauvoir, en a 29. Mi-aristocrate, mi-bourgeois, dandy, séducteur, il est avocat. C'est un mariage arrangé. Ma mère a du bien, mon père une particule. Tout le monde est content. J'ai 17 ans. La lutte pour mes études va commencer. Pour ma mère, la philosophie qui me passionne est dangereuse. Réservée aux hommes, aux libres penseurs. L'école normale supérieure de jeunes filles de Sèvres, un repère de mécréants, hors de question. Si tu veux faire des études, choisis le droit, m'assène mon père. Je décide de préparer l'agrégation de philosophie. Je m'inscris enfin à la Sorbonne. Un trio d'étudiants m'intrigue. René Maheu, Paul Nizan et Jean-Paul Sartre. Sartre a la réputation d'être un incorrigible séducteur très porté sur l'alcool. Le petit homme, comme beaucoup le surnomment en raison de son mètre 57, aime les beuveries. « Je veux être l'homme qui sait le plus de choses », dit-il joyeusement. Il défend ses idées, parfois de façon obstinée, mais je sens qu'il n'est pas indifférent à la rapidité et la rigueur de mes analyses. Juin 1944, à l'aube, des milliers de navires et avions américains, canadiens, britanniques s'élancent à l'assaut des plages du Calvados. La bataille de Normandie commence, sonnant le glas du Troisième Reich. J'ai eu un parcours hors normes, sans tabou ni barrière. Ma vie a été la conquête de la liberté du corps et de l'esprit. J'espère que les filles qui naissent aujourd'hui se souviendront de moi comme d'un symbole de liberté, car je voudrais qu'elles soient, comme moi, douées pour le bonheur.